parla se viva. Là, cette série-là, elle servait à rien, c'était juste pour faire comprendre. Il y avait combien? 380, c'était pour faire comprendre, pour cheater avec mon cerveau, lui faire comprendre que je pars sur 180. Et en fait, je pars pas sur 180, je vais revenir sur 160, la potentiation, quoi, en fait. Donc c'est du cheat, en fait, c'est du dopage cérébral. Ouais. T'aimes bien le bleu toi, ouais. J'adore le bleu. Je suis né dans la mer, je suis un dauphin. Alors là, faut pas que les bandes s'enlèvent. La dernière fois j'étais à 200, les bandes elles commencent à s'enlever. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Eh, vas-y. Putain de mais. Tu sais, il me faudrait des genouillères. Oui. Un commentaire. Je pense que j'ai bien développé là. Calice. Ouais.
Pète la fibre, espèce de cochon, on dépêche. Casse-la, casse la presse. Casse la cuisse. Cadre bon, garde une tension. Voilà, c'est bon. Ce qu'on peut faire pour travailler cette partie-là aussi de la cuisse, c'est de bouger le dossier vraiment au bout. Comme ça, à un moment donné, tu te retrouves un peu plus étiré. Hommage à ceux qui mettent 100 kg sur le leg extension. Hein. Lol. Ce qui sert absolument à rien. C'est bien, n'empêche de varier toutes les formes d'intensité, tu vois. C'est ainsi sur la positive, sur la négative, sur l'étirement, sur plein de choses, la charge, le temps de repos. En gros, tu fais tout sur ta série. Là, tu l'as bien réglé, j'ai un meilleur ressenti. J'ai pas touché. J'ai pas touché. Hein. Ah.
cette séance, ça m'a tellement pété que j'arrive plus à contracter. C'est comme en fin de séance d'eau. Quand tu veux faire les biceps après, t'as du mal. Bah ouais. Ce qu'il me disait Arthur, la dernière fois, c'est... J'ai l'avant-bras tellement congestionné, j'arrive plus à faire les biceps. Et moi, j'ai exactement la même chose. J'ai loupé quoi là? Ça, tu vois, cet exo là, c'est un exo vraiment négligé de la part de tout le monde. Parce que le problème, c'est que quand tu manques d'abducteur, pas d'adducteur, d'abducteur, le problème, c'est que tu es moins stable sur ton squat. Depuis que je fais un peu plus les mollets, que je fais des forces, que je renforce toute ma jambe complète, en fait, je suis plus performant au squat et au soulevé de terre. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Hein? Ici là, qui viennent se contracter, c'est vraiment de la merde. Et donc ça t'empêche de faire tes séries correctement. Si t'as fait un zoom enfoiré, je vais te baiser. Non, c'est pas mon genre, tu le fais très bien. Ah, pas du tout. Tu vois, le problème en fait, c'est que cette machine, elle est un petit peu mal foutue. Il aurait fallu que ça soit plus près, tu vois, que l'assise soit plus proche. Parce que là, en fait, on penche vers l'avant pour se tenir, sinon on perd l'équilibre. Comme l'exercice est plus efficace quand on lève le cul, enfin du moins c'est ce que je ressens. Le problème c'est que tu viens arrondir le dos en fait. Bon, sur le coup il n'y a pas de tension sur le dos donc ça va, mais ça peut faire mal quand même. Fais en sorte d'avoir la cuisse qui reste collée sur le coussin. Voilà. Pense à ton boule, imagine ton boule se contracter, c'est le but. Mais là je le sens. Et bien sors-le encore plus. Mmh. 5, 4, 3, 2, 1.